Yo, salut tout le monde, Pipi Caca, c'est Ward aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, j'ai affronté un boss. Ceux qui ont eu courage de regarder jusqu'à la fin et de se rendre compte qu'il y avait un commentaire juste après, je vous remercie. En fait, je vais tout vous expliquer. Après 6 minutes bien intenses où j'ai beaucoup gueulé, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai pas record le son. Là, j'étais tranquillement en train de me balader. Je me disais, putain, je vais faire le montage tout à l'heure. En fait, je me suis arrêté et j'ai pas record le son. Il a fallu que le jeu crash pour que je me rende compte de ça. Quand j'ai voulu regarder les vidéos, voir comment je me démerdais. Et combien de temps le boss fight allait durer. 6 minutes, hein, pourtant, moi, il m'a paru grave plus long. Qu'est-ce que je disais d'autre? Et donc je me baladais ici, peinard. Voilà. Parce que c'est vachement rigolo. Et donc je disais... Comment je vais faire pour descendre là? Ici, il n'y a rien. Là, je me rebalade ici pour voir s'il n'y a pas des trucs plus intéressants. Si j'ai pas loupé des trucs dans le donjon. Et j'ai vu cette âme en bas, enfin... Un truc intéressant en bas. À récupérer. C'est dangereux ici. Putain, sa mère. Alors. D'accord. Le stuff drangelique ou un truc du genre. Ok, on n'a pas le casque. C'est génial. What the fuck? What? Ça a l'air classe cette merde. Je veux juste savoir comment on remonte. Ah ok. Pouf. Wow. Fiu. Ah ok. Pouf. Bon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'était un boss assez difficile à battre. J'ai grave galéré, j'ai dû enlever ce stuff-là et mettre un stuff de merde, genre... voilà, ça, l'armure Vagarian avec ça et... Et c'est tout, je crois. Ouais. Et changer de bouclier aussi, parce que j'étais grave plus lourd. Matez-moi cette esquive maintenant, comment elle est grave plus rapide. Ah, quoique non, en fait, parce que j'ai remis le stuff... les jambes de chevalier comme ça, et le casque. Bon. Testons. Oh putain, qu'est-ce que je suis badass! Putain! Mais trop de badassitude en moi! Ah! Avec le casque comme ça, c'est moche. Avec celui-ci, ça fait vraiment con. Voilà, comme ça. Et on a un bouclier d'Andreluc. C'est... Oh, comment il est cool! Oh putain, j'ai une cape de bâtard! Mais putain, il est rapide! Putain, mais c'est trop classe! Limite, j'ai envie de pas mettre de casque, quoi. Boum. Quoique. Je vais quand même mettre un casque. Putain, la badassitude totale. Donc, bref, allons visiter ça et... Si on n'a rien trouvé, je fais... Si j'ai rien trouvé, je fais une coupure au montage à partir de ce moment, top! Eh bien en fait, j'ai rien trouvé, je ne sais pas, et je ne saurais jamais comment descendre voir ces salamandres de feu qui en bas. Ça me fout le seum. On va voyager. On va aller...
dans la nouvelle map que j'ai débloquée. Elle est où, putain? Ah, voilà. Enfin, je crois que c'est là-bas. Oh putain, mais j'ai un stuff trop classe, moi. Oh, ça... Oh, ça m'a manqué. Je sais pas si par contre il vaut celui que j'avais avant. Oh non, il est plus balèze en plus. Alors, ça c'est la forêt où... je sais pas si j'avais filmé. En gros, je pouvais pas accéder à cette forêt parce qu'une personne était pétrifiée sur le levier qui accédait, qui nous permet d'ouvrir la porte d'entrée, en gros. Et j'ai trouvé un moyen, en battant le boss de tout à l'heure, en ouvrant un coffre hors vidéo, ce que le jeu avait craché, j'ai trouvé, j'ai plus une plante, en gros, qui permettait de guérir de la pétrification. Et j'ai préféré guérir cette personne-là que l'autre que j'avais vu dans le château précédemment, que j'ai certainement pas filmé non plus. Putain, je suis en train de vous dire des trucs, mais... Bref. Allumons la torche. C'est la première fois que je me sers de torche. C'est pour accéder à cet endroit de brouillard. Ça aide vachement. On va la couper, parce qu'on bouffe de la torche pour rien. Une bête rôde dans ces bois. Putain, je suis paumé, nique sa mère. Ah, ah putain. J'ai flippé ma race. Putain, il y a un truc dans ces... Ah, sa mère. Il m'a suivi. What? Who are you? Mais qui est... C'est qui ce mec? Un fantôme? Ça me fait chier ça, je peux pas le lock. What the fuck? Un homme de brouillard, tranquille. Eh, hey, PD là, tu te prends pour qui, putain? Mais meurs! Putain, quel enfoiré, il me rapporte rien en plus. Eh, hey, j'espère que c'est pas comme ça dans tout le... dans toute la forêt, là. On va essayer de la parcourir, mais je vous garantis rien, putain. Faut que je m'équipe d'un os du retour ou un truc du genre, parce que sinon, ça va pas le faire. Restons dessus. Et courons tout droit. Apparemment, il y a plusieurs chemins, même pas. J'ai l'impression de tourner en rond. Un mur. Faut qu'on le longe. Ah, sa mère. C'est quoi ce bruit? Ward a très peur. Oh putain. J'ai entendu un bruit genre un cri de géant trop dégueulasse. Putain, faut pas que je continue à traîner là-bas. Enfin, je vais retourner voir une prochaine fois, mais... Là j'ai trouvé un chemin, ça le fait, ça me bat, c'est... Oh, oh oui. Ouh. Boum. Bonfire. J'ai quoi comme anneau, moi? Tu me diras. Ah putain, ils ont fait exprès pour que je puisse pas y accéder en tombant comme ça. Pourquoi je vais pas là-haut, moi? Je suis un autiste. Je crois que c'est ça. Mais oui, ils ont fait exprès pour que je puisse pas y accéder en tombant comme ça. Une effigie humaine, ça a vu le truc.
Même pas. Bon, tu me diras, c'est pas c'était évident, enfin on le voyait le truc, donc peut-être pas une figure humaine, c'est vrai. Peut-être pas quand même. Mais là, c'était assez loin d'un spawn apparent. Donc je me disais qu'il y avait peut-être possibilité pour que... Oh putain, c'est un coffre en bois, je sens la couille. Non, y a rien. Magic Bolt. x10. Ok. J'entends des rires machiavéliques. Je sais pas si vous les entendez, mais des rires machiavéliques, c'est pas cool. Putain, il y aura des sorcières là-bas? Ou... What? C'est quoi, une malédiction? Tranquille. En entrant sur ces lieux, dans ces lieux... Bien sûr. Une malédiction? Comme si c'était amusant. Je peux me laisser tomber là-bas. Bon, on va vite voir. J'échange contre cet anneau. Putain, je le sens pas. J'ai bien mis... Non, j'ai pas mis le bon anneau. C'est celui-ci que je voulais. Oh, oh, oh. Bon, je fais ce test et on se laisse là. Hein. Parce que... Bon, 630 âmes, ça va. Yeah. Ok, c'est une malédiction. Je retourne à la maison, je retourne à la maison, je retourne à la maison, pitié. Oh. Je sais pas ce que c'était. Mais je pense que vu comment ça montait, fallait pas que je reste là-bas. Oh putain. Peut-être qu'il faut que j'allume une torche. Ça paraît con. Mais ça peut marcher, soldat, ça peut marcher. Juste remettre cet anneau que j'ai récupéré là-bas. Qui augmente les dégâts des attaques. En fonction de la barre de vie. Donc plus elle est basse, plus les attaques sont puissantes. Putain, je suis cool avec ma cape, putain de merde. On va faire un test. Le test de la torche. Yeah. Ok, pourquoi je suis monté? C'est totalement con. Pourquoi il y a ça là-haut? On peut pas l'atteindre ou un truc du genre? Ok, c'est maudit. On va éteindre cette torche. Comment faire? Quel est ce truc difforme là-bas? The fuck? The fuck are you? Il faut mes jumelles. Je crois que j'en ai. Genre un truc pétrifié. Oh putain, j'ai compris. Je suis pétrifié si je reste tout ce temps là-bas. Oh putain, comment ça me foutrait le seum. J'ai pas un truc qui contre la pétrification sur moi. Fuck, voilà. Et... Voilà. Toi, viens là. Voyons si je n'ai rien contre la pétrification. Non, non, non. 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 Non.
Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. Non. On dirait que non. J'en ai pas. C'est chier. Ben, ni les fantômes. Non. Des âmes. Des pierres de Pharos. Ok, non, j'ai rien. Fais chier, fuck. Donc retournons en bas. Fais chier dans ce putain de brouillard. Longeons les murs encore. Wow! Wow! Bref. Je le sens pas, j'aurais dû arrêter ma vidéo maintenant. Oh, coucou toi. Comment on accède à toi, s'il te plaît, dis-moi. Comment je... Oh, ta mère, mais ils me font flipper ces enfoirés. Ouvre ce coffre vite fait et taille-toi, Howard. On se tire. Un anneau ou un truc du genre. Allez, viens. Je me bats contre des fantômes. Tu crois que je te vois pas ou quoi? Oh, tellement violent. C'était des vraies personnes avant ou quoi? Malédiction du genre. Bon, on va pas se laisser bercer là parce que à chaque fois je fais un bond là quand je reçois leurs dégâts. C'est quoi ça? C'est la fin du monde? Ah oui. J'ai failli me jeter dedans. Alors. Oh mais putain. C'est qu'il y a des trucs bien planqués ici. Oh, il y a des anneaux, encore un anneau. Je serai le seigneur des anneaux, moi. Ouf, 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 je sens la surprise sur le sling. Ah, le connard, je l'ai vu. Allez, viens. Bâtard de fantôme. Faut avoir une bonne vue, putain. Je pense pas qu'on va la voir sur YouTube. Mais je me bats contre un fantôme là. Putain, il est où? Ah! Connard! Quel fils de pute! Putain, j'étais en train de dire, je sais pas, tu vois, mourir ici. Eh fuck, je suis mort ici. Mais je pense que j'ai fouillé tout le bois là. Enfin, je pense. Donc bref, je vais continuer mon exploration tout seul. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Ward, et je vous aime. Bye bye tout le monde. On se revoit la prochaine fois pour une vidéo de Call of Cthulhu. Ouais, on va faire ça. Salut.